sur le site Outspot. Ils font souvent des offres, des trucs un peu à payer, disons, un petit peu réduits. Donc, ils avaient comme ça un lot de 92 paquets de papier toilette. Donc, j'en ai pris un, c'était, je crois, à 34 euros. Mais je ne sais pas si la qualité, elle est bonne parce que je crois qu'il n'y a que deux feuilles. Donc, je vais ouvrir un petit peu et puis pour voir, je ne sais pas si ça essuie bien ou bien si c'est le genre qu'il faut utiliser plusieurs couches pour pouvoir être satisfaite. Ce sont des petits paquets comme ça, c'est pas très grand. C'est des petits paquets comme ça et ça semble être assez... Ouais, ça semble être... De toute façon, je vous dirai si jamais c'est pas bon. Mais pour l'instant, je vais le mettre à la salle de bain un petit peu pour qu'on utilise. Comme ça, pour donner mon avis par rapport à ça. Ça va, maman? T'as bien dormi? Jusque 10 heures, 9 heures, 10 heures. Les enfants m'ont cassé déjà ici. Vous voyez la porte de mon lave-main. Donc là, je vais mettre ça comme ça au-dessus. Parce que les autres papiers, ça n'a pas l'air d'être très différent. Bon, celui-ci a l'air d'être un peu plus léger que celui-ci quand je touche. Donc, il y a moins de feuilles en fait dans celui-ci. Donc, parce que je crois qu'il n'y a que deux feuilles. Oui, et puis alors qu'ici, il y en a quatre. Donc là, je vais aller déposer ça en bas. Je vais garder un paquet là pour mettre dans les sacs de bain. Et c'est un paquet comme ça de 24. Et le reste ici, je vais le mettre en bas. C'est vrai que je ne vous ai pas encore vraiment fait le home tour. J'avais fait un home tour, mais on n'avait pas l'électricité. Donc ici, en fait, était éteint, donc vous ne pouviez pas voir. Donc ici, on a un petit endroit là, comme ça, pour avec le compteur pour mettre les chaussures. Donc je vais le laisser ici. Je vais le laisser là en attendant. Mais normalement, en fait, ici, on a une pièce un peu comme une cave à vin pour le rangement. De tout ce qui est réserve. Mais là, on n'a pas encore mis d'étagère. Vous voyez? Là, c'est la piscine en été pour les enfants. On n'a pas encore mis d'étagère. Il faut que je prenne les dimensions jusqu'en haut pour pouvoir prendre une étagère. Et puis, je suis en train de réfléchir. Peut-être je vais mettre d'abord du... peut-être de la chaux. Mettre de la chaux sur les murs. Et alors de la chaux sur les murs et alors après mettre ici là des étagères. Et ce sont les étagères en fait, c'est sur les étagères en fait qu'on va mettre tout ce qui est réserve. Donc je crois que là il me faudra à peu près, je crois que là si je vous montre comme ça, il me faudra à peu près je crois deux armoires là pour la réserve. Ici là il y a, ça peut être la réserve et là on va mettre aussi une armoire pour la réserve de tout ce qui est vin, tout ce qui est jus, tout ce qui est eau même, ça va être là la réserve. Et ici derrière la porte on a encore aussi toute une partie comme ça où on peut mettre une étagère aussi pour la réserve. Donc en fait de l'autre côté j'aimerais peut-être remettre de la chaux comme ça. Donc c'est un petit peu ça c'est notre cave de réserve. C'est resté en fait le genre de cave avec la terre. Et ce qui est bien avec ce genre d'ancienne cave, c'est que comme elle est un petit peu froide, elle n'est pas humide, elle est froide. Parce que là, on a juste une ouverture là, donc il n'y a pas de grandes ouvertures. Donc là, il y a quand même l'ouverture qui passe. Donc, comme elle est un petit peu froide, ça fait en sorte que les aliments sont mieux gardés parce que c'est un peu comme du riz. Du riz, si vous gardez du riz en trop grande quantité, il y a des petits insectes là
qui entre dans du riz et qui gâte le riz, quoi. Et dans des caves comme ça, c'est bien parce que comme la température reste un petit peu froide, ça, la conservation, elle est meilleure. C'est pour ça que ce sont des caves à vin où on gardait du vin et tout ça, où c'est la conservation, en fait, elle est meilleure, quoi. Donc, je vais, comme je disais, je vais essayer de mettre peut-être de la chaumue. Je vais voir qu'est-ce que je peux mettre au mu. Et puis, je vais mettre des étagères. Et c'est ici qu'il y aura, en fait, la réserve de tout ce qui est aliments, papier hygiénique, essuie-tout. Parce que la cave, elle est assez grande. On va dire à peu près combien. Elle peut être à peu près 7 mètres carrés, un truc comme ça. Donc, il y a assez de place dans tous les cas. Donc, là, j'ai commandé la machine à laver parce qu'en Suisse, en fait, on était en appartement et il faut buanderie. Donc, j'ai commandé machine à laver, mais une machine à laver de 15 kilos. Parce que le problème, en fait, avec les petites machines de 9 mètres carrés, parfois, on ne sait pas laver les duvets, les couvertures, les trucs comme ça, on ne sait pas laver. Donc, j'ai pris une machine de 15 kilos et j'ai pris la machine à laver et la machine à sécher. Normalement, pour sécher, ça va être vraiment en été, on va sécher dehors, ça va être vraiment quand il fait vraiment froid et tout quoi. Et ça, c'est dans le local. Donc, je disais, en fait, j'ai racheté les machines parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, il n'y a pas de laverie à l'extérieur. Et dans chaque immeuble, en fait, il y a des machines à laver, machines à sécher. Et les gens font les tours. Donc, chacun a un jour où il peut laver. Peut-être si c'est le lundi, c'est une fois par semaine. Mais nous, comme on était en fait en haut là-bas, au dernier étage, nous, on avait une machine à laver, une machine à sécher privée. Mais ça appartenait à l'immeuble, quoi. Donc, ce qui fait que comme on a déménagé, on n'a pas de machine à laver, ni de machine à sécher, donc on a dû racheter. Donc, je vous montre en fait alors mon coin buanderie. Pour l'instant, ce n'est pas encore aménagé. J'attends d'avoir les machines parce que comme ce sont des grosses machines, j'attends d'avoir les machines et en fonction de ça, je vais voir je vais voir en fait le nombre d'étagères que je vais devoir mettre et comment est-ce que je vais devoir faire la buanderie quoi. Donc je vous montre à l'état brut. Donc c'est ça la buanderie slash local à machine. Donc ici là on a ici je crois pour la Donc, on a le robinet pour l'eau. On a là, je crois, c'est pour la machine à laver. Et là, je crois, la sortie, c'est pour la machine, c'est pour le sèche-linge, je crois bien. Donc, là, on a deux interrupteurs. On a en fait plein de câbles qui passent là. C'est ça qui me dérange un petit peu par rapport à aménager comme je voulais. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être, avec les machines qui seront là, je vais mettre un plan de travail qui va permettre que quand on retire les machines, qu'on puisse les plier là sur le plan de travail et pourquoi pas même repasser là sur le plan de travail. Donc, il va avoir les machines, je crois, là. Et puis là, et donc après, on va mettre un très grand plan de travail comme ça là. Donc là, je vais refaire un petit peu. Là, je dois refaire un petit peu la peinture pour voir. On a une ouverture là comme ça pour aérer. Donc, ça, c'est la porte est donc à l'extérieur dans le jardin. Donc, c'est ça aussi. Donc, il y a deux entrées. Il y a plusieurs entrées. Il y a cette pièce-ci qui donne dans le jardin. Et alors, on a le local donc pour les machines. On a la chaudière, je crois. Et puis, je ne sais pas si ça, c'est le ballon d'eau et tout. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. Le local à machines. Donc ici, on a une autre salle de bain. Salle de bain en fait pour les étrangers ou bien quand en haut. Parce qu'on a la salle de bain avec baignoire pour les enfants. Et pour les enfants, les grandes personnes n'aiment pas se laver souvent. Donc ce qui fait que moi, les grandes personnes en fait, ils se lavent ici. Moi, j'ai une douche privée, donc je me lave pas ici. Mais les invités, tout ça, donc ils aiment bien se laver ici. J'aimerais bien refaire aussi cette douche-là, faire le home staging, pas complètement refaire, faire un home staging pour cette salle de bain. Ici, on a la porte qui va vers le garage. Donc là, on a le garage.
Ouais, on a le garage. Ici, j'ai commencé en fait à mettre mes petites dalles là pour ma salle de sport. Je vais prendre une partie pour ma salle de sport. Et alors ici, normalement, on a la salle de jeu des enfants. C'est encore le bordel avec toutes nos choses. Oufti. My goodness. Donc, ça va prendre du temps que ça soit aménagé en salle en salle de jeu parce qu'il y a des trucs là qui vont devoir aller même à la poubelle. Là, on a un tapis de course que les anciens propriétaires nous ont laissé. Et j'avais même complètement oublié en fait qu'il y avait ce tapis. Sinon, j'aurais dit à mon mari de ne pas prendre le nôtre et on allait le vendre. Mais même ici, on va le vendre. Donc, on a encore plein de choses comme ça qu'il faut. Ça, ce sont les cartons qu'il faut amener à la déchetterie. Et alors, on a encore plein de choses comme ça à débarrasser. Là, ce sont les roues. Ça, il faut remettre dans le garage. De toute façon, il faudrait qu'on prenne un jour la semaine prochaine ou bien la prochaine fois quand j'aurai des congés et que mon mari a des congés. On va profiter pour vraiment débarrasser complètement tout ça et pouvoir petit à petit aménager en salle de jeu des enfants. Donc, c'est un petit peu ça. Là, il faut que je me décide pour commencer à faire mon sport parce que j'ai le vélo qui est là, j'ai le tapis de course. J'aime pas trop ce tapis de course parce qu'il me fait mal. Il est un peu court, quoi. Il me fait mal au rein, derrière le dos, au rein quand je l'utilise. Mais bon, je me suis dit, je vais faire avec et puis après, on va changer pour prendre un plus grand. Maintenant, je suis en train de regarder où se trouve la prise. Où se trouve la prise? Donc, je crois ici, est-ce que c'est pas une prise? Oui. Donc là, on a une prise ici, là. Donc, il faudra en fait que je mette plutôt le tapis. Que je mette le tapis qu'il regarde plutôt par ici pour pouvoir utiliser et acheter une multiprise pour pouvoir utiliser, brancher la machine et pouvoir brancher le vélo sans pour autant chaque fois bouger le truc, quoi. Donc, il faudrait une grande prise. Et ici, normalement, c'est le congélateur. Je crois qu'il va aller dans la prise qui est ici. Ouais, le congélateur va se mettre à cet endroit là et alors on aura toujours assez d'espace pour faire entrer une voiture et il faudrait qu'on mette des étagères pour pouvoir ranger tout ce que sera appareil qu'on va utiliser. Ça, c'est une table que j'avais utilisée en Suisse. J'avais utilisé ça, en fait, je m'étais fait une table parce que à la cuisine chez nous là-bas, elle était petite. Donc, j'avais pris ceci, un truc de cuisine comme ça, IKEA. Et puis, j'avais pris deux pieds et j'avais fait un truc comme ça. Donc, je vais voir peut-être avec les machines dans le local. Mais c'est un peu petit, je voulais quelque chose d'un peu plus grand. Sinon, dans le local, pour la buanderie. Je vais voir si je peux mettre ça au-dessus des machines, peut-être utiliser ça en attendant, mais je voulais quelque chose d'un peu plus grand et je veux en fait quelque chose de beaucoup plus joli. Mais bon, on ne peut pas faire tout en même temps parce que c'est beaucoup de sous. La maison, elle est grande, c'est beaucoup de sous pour aménager. Donc, en attendant, on va faire avec les moyens de bord et tout doucement, au fur et à mesure, on va adapter. Donc...